Salutations voyageurs, nous nous retrouvons sur Dreamlight Valley pour la suite de notre aventure. Et il est 1h du matin. C'est vraiment le meilleur moment pour commencer un épisode de Dreamlight. Et dans cet épisode, on va ne pas mettre ce poisson là. On va essayer. Essayer, hein, c'est important. On va essayer. De farmer la Dreamlight au maximum. Voilà. En gros, la Dreamlight, c'est faire toutes ces petites missions-là à la con. Niveau événement, on est comment? Offrir des cadeaux favoris, cuisine du bar et des poêles de légumes. Ok, attends, on va voir si on peut le faire. Poêlée de légumes. Poêlée de légumes. Ratatouille, salade, sandwich, gâteau à la banane. On n'a pas la poêlée. Ah, oh, on n'a pas la poêlée. C'est dommage. On n'a pas accès à la poêlée de légumes. Alors, on va aller chercher un compagnon pour... Ah, mais ils sont tous couchés, là. Ok, il y a Mickey pas loin. Mickey, quel niveau tu es? Ah, je voulais pas m'installer à côté de toi, désolé. Voilà, quel niveau tu es? Je suis content de te voir. Il est niveau 7, du coup. Suis-moi. On se revoit vite. On va laisser les légumes là, on les prendra quand on en aura besoin. Attends, mais j'ai besoin de faire une discussion quotidienne. Salut mon ami. Salut mon ami à toi. Tu peux me demander n'importe quoi, nous sommes amis. Comment fais-tu pour être heureux tout le temps, Mickey? En fait, non. Je me mets en colère et je suis triste, comme tout le monde. Mais j'essaye de voir le bon côté des choses. D'accord. Discussion profonde. Plante 5 légumes. Aïe aïe aïe. Allez vite, 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 vite. Hop. Niveau... Ouais, on est bien là. Vent de plat. Oui, ok, offre de cadeaux. Mickey. Je suis content de te voir. Tu veux de la laitue? Alors attends 2 minutes. On se revoit vite. Salut mon ami. Tiens, j'ai de la laitue pour toi. Voir un peu ce que c'était les autres. Cadeau favori. Pâte végétarienne et... Ok. Merci mon ami. Et il fallait en offrir deux. Aïe aïe aïe. On fait tout en deux fois quoi. Tiens. Oh, on se revoit vite. Récolte 3 fruits. Bon, ça, ça va être vite fait normalement. Alors attends, Mickey a une amélioration là-dessus, du coup on va le faire. Hein. Alors il nous faut 7000 hein, de Dreamlight. Il nous en faut un sacré paquet. Salut Dingo. J'aimerais te vendre ma merde.
Attends, j'aimerais te vendre aussi mon poisson. Ok, extraire, prendre une photo. Ah vraiment, ça va être un peu des trucs chiants ce qu'on va faire là, à l'heure actuelle. On va faire les mêmes trucs en boucle. Mais il faut bien, ça fait partie du jeu. Arrose deux fleurs desséchées. Des fleurs, hein, c'est pas des légumes, c'est important. Ok, on a eu de la chance, on a reçu... un minéraux, changer de tenue. On est allé un poil trop loin là. Short. Serre un plat au restaurant. Faut ouvrir le restaurant à un moment donné. Hein. Gagne 500 pièces, c'est dommage, hein, on a tout vendu avant. Eh ben on est gâté hein. Les 500 pièces on va les avoir vite hein. Est-ce que tu voulais une carotte? Est-ce que j'ai une carotte seulement? J'en ai 10 même. Ah mais il s'est enfui. Là je pensais qu'il voulait de la bouffe mais en vrai il s'est enfui. Quel catin, quoi. La catin de Babylone. Ok, les champignons, on en a besoin. Oh! Dommage. J'imagine qu'on l'avait déjà. À manger des citrons comme ça, c'est compliqué, mais apparemment c'est meilleur que les tomates. En tout cas, moi, vous me faites manger un citron comme ça, je meurs. Je me liquéfie. Le petit coffre là, il est à moi. Là-bas, il y a un émeraude. Allez, dingo. Tiens, salut. Est-ce que j'ai de quoi faire les 500, là? Oui, largement. 600, celui-là. 300 et 300, ok. Oh. À plus tard. Extraire, arroser les fleurs, nourrir. Et prépare deux plats. Bon, on va peut-être retourner chez nous. Par contre, on va quand même essayer de prendre un maximum de basilic, tout ça. Ok, des baies, il en faut. Oula. C'était le meilleur moment pour le faire, ça. Y'en a un que j'ai loupé? Bah, elle est où? Bon, tant pis.
Bon, il nous faut 4 affreux rochers. Attends, on va faire l'appel là. Encore un rubis, on est gâté. Hein. On est vraiment gâté. Hein. Encore une. Apparemment j'ai fini une quête là. Je sais pas si c'est un légume ou quoi. Alors, il faut encore arroser le cocotier. Oh. Eh ben. Vend deux poissons, faut les pêcher. Ah, cocu, on en avait déjà deux. Hein. Juste, on les a. Ouais. Allez, on va préparer deux plats pour aller les vendre. Attrape 3 poissons, vend 2 poissons, ok ça va ensemble. Et arrose 2 fleurs périmées. Périmées. Des fleurs périmées. Vous les connaissez hein, les fleurs périmées vous. De une. Ça c'est un légume. Et de deux, la fleur périmée elle est là. Ok, on est à 6000. Récolte des épices, on en récolte depuis tout à l'heure. Ok, on en a même 4. Ah, level up. Le niveau 8. Et on a un lit assez sympathique. Quatre épines nocturnes, ça va se faire. Normalement. Ouais, ça va se faire tranquille. Ah bah oui, ah bah oui. C'est dingo hein, qui voulait une fleur, enfin une photo de ça là. Salut mon ami. Vas-y, on va garder les trucs avec avec des quêtes. Ça, il n'y a pas de quête du coup, on vend. Les myrtilles, il y a des quêtes. Quête, quête, quête. Les œufs, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de quête. 200, 800. Ouh. Quel plaisir.
C'est chouette. Parfait, et encore un et c'est good. Tiens, salut. Normalement là. C'est chouette. Offre un cadeau favori. Deux épines nocturnes, ok. Vend 5 fruits, ok. Normalement, on en a. D'ailleurs, on a assez. Attends. On a fini une quête là? Ah, les minéraux. Vend des plats 2 étoiles, il en faut 23. Récolte du maïs, vend du blé. Wow. Salut mon ami. J'ai appuyé trop vite. Bon, je vais en avoir 6, hein, tant pis. À plus. Ok, récolte 5 légumes. Et après avoir récolté pardon, les 5 légumes, on va aller débloquer la zone. Non, mais c'est pas ça que je veux faire, voilà. Bah elle est en route hein. Non mais c'est là en fait, la zone que je dois débloquer. J'étais reparti à la zone hiver mais... Je me suis souvenu par chance. Oh oh bonjour. Voilà, c'est la grande exploration encore une fois. Donc il y a un truc pour cuisiner là. Des plats 5 étoiles. Enfin 2 étoiles pardon. Bah c'est simple en fait. Il en faut combien? 23? Voilà, on fait 23 fois ça. Mais on va peut-être le faire dans... je vais peut-être le faire dans mon coin, parce que là ça va être très très long pour le coup.
Salutations, voisin. 7500, ça va, il est raisonnable. C'est loin des 10 000 de la dernière fois, du coup je suis satisfait. Il s'est montré raisonnable. Non. Pas tout de suite, du moins. Salutations, voisin. 3000, ok. Le suivant, peut-être 5000, on verra bien. Ça a l'air d'être du piment. Et une espèce de fleur. Bonjour. 7500, coup dur. Je te remercie. Bon, c'est pas très grand. Bon. On va aller focus un peu de quête. Hein. On a débloqué une zone, c'est déjà pas mal. On va aller voir Elsa. Avant, on va aller voir le palmier. Est-ce que le palmier a grandi? On finira l'exploration plus tard. Hein. On va essayer de faire un peu de quête. Ce qui, pour l'instant, n'est pas évident. Hein. Je sais pas ce que c'était, ça. T'as une minute à m'accorder? Vas-y, mais pas une, pas une de plus, hein. Reconstruction de la vallée, reconstruction... Ah, on dirait que tu as réglé des problèmes sur la plage. Bon travail, Oscar. C'est une propriété de premier choix en bord de mer. Ce qui signifie que tu dois faire la faire évoluer. Ajoute ta propre touche à la plage. Plus tendance et branché. Je te remercie. Ok, il va me demander la même chose pour l'autre zone. Au revoir, à bientôt. En gros, il va me demander de mettre 10 items dans chaque zone, c'est ça? Ouais, voilà. Prévisible, hein. Non, on va la laisser comme ça en vrai, parce que si on a besoin d'en arroser, au moins comme ça on sait qu'il y en a une là. Je suis certainement des baies comme ça. Le... Il est où le raton laveur? Il est là-bas. Couille. Oh là, Kisama. Reviens. Je vais pas te faire de mal, voyons. Un petit coup de pioche ou deux, c'est tout. Fais pas ta gamine. Ce raton laveur qui fait sa pucelle d'Orléans, là. Ne chante pas. J'ai rien contre les gens qui chantent, mais... Il y a des endroits pour chanter, et c'est pas cet endroit-là. Dans une forêt, c'est glauque de chanter. Il y en a deux. Allez tout le temps dans la même direction, comme ça on va vous nourrir tous les deux en même temps, quoi. Attends une minute. Il est passé où? Je peux pas être aveugle à ce point-là, si. Ah. Laissez-vous nourrir. Ah, tu vas m'apprendre à passer le chemin? Voici le chemin vers la grotte de glace. Et comme tu peux le voir, nous avons un problème. J'ai essayé de déterrer la touche, mais elle est si résistante que les racines sont profondes. Tu as de la chance, tu as une pelle magique. Bien sûr que tu as une pelle magique. Tu es le meilleur au secours. Allons-y, libérons le pont.
Oh oh. Oh oh, quoi. Je ne crois pas que m'appelle va faire l'affaire. On va avoir... On dirait que ces choses se nourrissent de magie des ténèbres. D'accord, d'accord. Nous devons trouver autre chose. J'ai hâte qu'Elsa voit cet endroit. Tu es une gentille sœur, Anna. Merci, Oscar. Tu es un bon ami. Attends. Attends une seconde. Je sais. L'autre jour, je regardais les livres de ma bibliothèque. Et j'ai trouvé un livre sur la flore et la faune mystique. C'était assez technique, mais je parie que la réponse pour enlever les souches s'y trouve. Allons chercher ce livre dans ma maison. Rappelle-toi, je crois en toi. Moi aussi, je crois en moi. Après tout, je suis fabuleux. J'ai des priorités. Hein. Le raton laveur est une priorité absolue. Mais laisse-toi domestiquer. Deviens mon animal de compagnie. Laisse-toi mettre en laisse, bordel. Le coup de pioche. J'avais espoir. Ah. Non. Bon allez, direction. C'est où ta maison? C'est là où Christophe dort ou pas? Oh, salut. Oh, merci. Bon, faut attendre que Christophe se réveille. Ah, le palmier est là. Bon. On va faire une autre quête en attendant. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très patient. Hein. Il est où? Il est chez lui, bah, il doit être en train de dormir lui aussi. Bah attends, on est sur la plage là. On va meubler, légèrement, hein. Pas de panique. Tac. Canapé là. Petite chaise. Petit chariot. Une borne d'arcade. Un panneau. Un deuxième panneau. Un troisième panneau. Et une chaise. Ok. Bon, faut aller voir Picsou, etc., etc. Cadeau. Il est beau lui. Il est là, Picsou? Non, il y a Mickey. Si, il est là. On était tous dans sa maison, mais enfin, sur la map. Ouais, voilà, il est là. Il ne bouge jamais de chez lui, hein. C'est un truc de ouf. Picsou, viens là. Bonne journée à toi. On peut enlever ce qu'il y a sur la plage maintenant.
Mais attends, on va prendre les deux épices. Et on va aller voir si Christophe est debout. Bon, au moins, on aura fait une quête, celle de Picsou. C'est déjà pas mal, hein. Christophe. Christophe. Te voilà. Oh, t'es que niveau 2, vas-y, viens. On va te level up un peu. Hein. Mickey, il est déjà bien, bien haut. Là, vraiment, j'en suis à... Anecdote, hein, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais j'en suis à 5 heures de live aujourd'hui. C'est mon record. D'habitude, je fais des lives un peu plus longs en rediff. Mais bon, c'est des rediffs, du coup, c'est un peu de la triche. Là, c'est un vrai live et ça fait 5 heures et pas de problème. Quoi. Enfin, pas de problème, je suis un peu fatigué, mais c'est la vie, ça. Ça, ça bouffe de la viande, ça. Ah, bah, du poisson, peut-être. Quoi? D'accord. Ça fait des trucs bizarres hein, de temps en temps. Ok, c'est le moment de se mettre bien là. Bon, j'en ai vu dans l'eau, il me semble. Du coup, déjà, c'est mort. Mais en vrai, si on apprend à retirer les comment dire. Les souches, ça va nous ouvrir pas mal de portes. Hein. Bon, après, il y aura toujours les trucs avec la pioche. J'ai un hoquet des enfers. Qui est assez désagréable. Alors, attends. Je vais jeter un coup d'œil. Est-ce que j'ai des missions avec de la Dreamlight accessible? Attraper 3 fruits de mer, ça c'est possible. Vend un minéraux, c'est possible. Offre un cadeau favori, c'est possible. Serre un plat au restaurant, c'est pas possible. Le plat 3 étoiles, c'est possible. Fais voir un peu. Te voilà. C'est quoi tes cadeaux favoris? Du maquis. Du maquis au concombre. Et du lit de la passion noire. Oh, tu veux des merci. Trucs trop compliqués pour moi, hein? Niveau 3. %, sa sœur va m'offrir sa robe aussi. Après, c'est cohérent parce qu'en fait, là, je joue un garçon. Du coup, on se dit, ouais, un garçon, une robe. Bizarre. Mais imaginez une petite fille qui. Qui joue une fille, du coup. Bah, c'est génial, tu vois. Elle peut mettre la robe de la Reine des Neiges, tout ça, c'est cool. Du coup, c'est cohérent, tu vois. Il y a une certaine cohérence derrière. C'est juste que moi, je suis un peu vieux.
Et j'aurais dû faire une fille en vrai. Parce qu'en vrai, en termes de tenue, j'ai l'impression en fille, il y a des trucs pas mal. Hein, comparé à garçon. Il est au 4. Ça va vite. Ça va toujours vite au début. Et après que ça se calme. Là, je suis vraiment bête, j'avais oublié que je l'avais fait. En tout cas, on est pas loin des 10... Non, non, attends. On est à pas loin des 13 ou 14 heures de jeu, là. Je pense. En termes de vidéo, on doit être à 10 heures de jeu à peu près, voire un petit peu plus. Comment ça va ? Hors vidéo, on est à 14-15 heures de jeu, je pense. Du coup, ça va, on commence à avoir le jeu dans les mains quand même. En même temps, au bout d'autant de temps, vaut mieux, parce que sinon c'est honteux. Coton, vanille. Oh, la vanille. Ça coûte cher la vanille, hein. Je vous invite à regarder le prix de nos jours. Hein. Vraiment, le prix, il est honteux. Hein. Là, je suis en train d'attendre qu'il fasse jour. Hein. Et que les autres se réveillent. Hein. Et j'ai l'impression que ça ne va jamais arriver. Ok, on a assez pour améliorer le stand. Vas-y, on va manger du cacao. Ok, on est en train de laguer légèrement. Ça, c'est les aléas du direct, hein, bien sûr. Mon royaume pour un parchemin. Est-ce que Maui dort? C'est un demi-dieu. Logiquement, il dort pas. Ce serait honteux pour un demi-dieu de dormir. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? En tout cas, moi, je suis d'accord avec moi-même. Hein. Ce qui est très cohérent. Il faut qu'on y aille. Tada, des noix de coco, un des nombreux exploits qui ont fait de moi un héros. Hein ? En parlant de mon héroïsme, es-tu un demi-dieu ? Tu es un peu petit. C'est fou, tu es juste une personne humaine, ordinaire, qui peut faire des trucs non humains. C'est ça ? En fait, je m'en fiche un peu, parce que maintenant, les noix de coco vont pousser naturellement. D'accord, tu peux y aller. Oui. Du coup, on a plus de quête pour Maui, là. On a fait sa quête et maintenant, il nous lâche un peu. Alors, attends. Ok, il y a une nouvelle quête quand même. Crudité, sandwich au poisson, marguerite rouge, ok, on a le truc vert quand même. Épave, ouais, on a vraiment beaucoup de choses à faire hein, par contre. Rénovation, carotte, il nous manque. Et du blé, ok. Par contre, ton mari, il dort jusqu'à quelle heure ?
Ah bah voilà, il y a des noix de coco. Bah nickel, hein, tant mieux. Ça fait plus de bouffe et moi j'aime bien la bouffe. Elle va bientôt level up, non, Anna? J'ai pas bien fait gaffe, mais il me semble que oui. Hein. Oui, voilà. Niveau 5. Eh ouais. On gère du poney. On gère du poney. J'ai un doute sur cette phrase, mais c'est pas grave. Le cacao. En vrai, peut-être que le temps est juste adapté au temps de chez moi à moi. Et du coup, ben, on est niqué, hein. Parce qu'en vrai, il est quelle heure? Il est 1h40 du matin. No way que qu'il fasse jour si c'est adapté à mon heure. Ah, faut que je joue demain matin, en vrai, pour continuer cette quête. C'est un coup dur. Mais bon, pas plus que d'habitude. D'ailleurs, je suis bête. Merlin, ok. Dingo. Et là, Dingo aussi, jeté du coup. Attends, il y avait un pissenlit. Ok, Dingo aussi, tac. Et là, tac. Voilà, vas-y, déplace-toi un peu. Et il dit quoi, Dingo, là? Déjà amitié, là. Et les quêtes, Dingo. Retourne voir Dingo et montre-lui les photos, ok. C'est vrai qu'on a des rubis. Hein. On va quand même les prendre. C'est indécent de laisser des rubis traîner quand même. Légèrement indécent. Tiens, salut! On vend ce qu'on n'a pas besoin. Ok, on est déjà dans les 2000, quoi. Oh. Voilà. Comment ça va? Et voilà. Les photos, c'est fait. Boyo Valley. Ok, on va aller... On va y retourner, hein. Par contre, des quêtes en veux-tu, en voilà, hein. Ça, vraiment, c'est dramatique. Dramatique. Pourquoi je peux pas le poser? Ok, on est à 6. 7, 8, 9, 10. Alors, est-ce qu'on sait compter jusqu'à 10 ou pas? Oui. Offre des cadeaux.
Ursula, qu'est-ce que tu veux? Attends 2 minutes. On va prendre le bois. Hein. On en a besoin pour beaucoup de quêtes. Ah, bon travail, mon ange. Tu es très en forme. Doux repère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Récupère du papier. Ça se torche un poulpe. Ah, vraiment, c'est indécent. Hein. Des marguerites blanches et des pissenlits, ok. Des carottes et du blé. Est-ce que je peux acheter le blé et les carottes ici? Blé, il n'y a pas les carottes. Mais les carottes, je peux les récolter. Tiens, salut. Ok, le blé est pas cher. C'est dommage de devoir en acheter alors que j'en avais tant. Et pourtant, j'en ai même pas assez. Quoi. Ok, il y a des carottes. Voilà, et là il n'y a pas de blé? Non, il n'y a pas de blé. Ok, voilà, on va planter du blé. Et on va surtout arrêter de le vendre hein, dès qu'on en a. J'en avais un sacré paquet, hein, j'oublie pas. Ah bah nickel. De tout hein. Là j'en ai ras le cul de ne pas en avoir, autant vous dire que là on va en avoir un sacré paquet hein. C'est moi qui vous le dis hein. Voilà. Oh bah d'accord. On est à combien là pour la rénovation? On a tout ce qu'il faut, ok. On a tout ce qu'il faut. Attends. Ok, et Rémi, il est où? Sur la carte? Il est pas... il est dans sa maison, mais pas au restaurant. Est-ce qu'il dort et du coup, je peux pas rentrer dans sa gigantesque baraque? Non, ça va. Par ici! Tiens, prends tout ça. Au secours, nous avons tout ce qu'il faut pour l'aventure. Allons devant le restaurant. Enfin, bonne équipe.
C'est vrai, des fois j'oublie que c'est un rat. Et que du coup, il a des petites jambes et il va moins vite que moi, quoi. Salut! Attends, je dois passer en revue mentalement ma liste. Oh, nous avons du sel? Heureusement, j'avais du sel. Mes larmes sont remplies de sel. T'inquiète pas, je s'occupe de tout, quoi. Combien ça coûte? Fais-moi rigoler, là. Bonne journée à toi. Bon, 10 000, ok, vas-y. Cher ami. Ah, ouais, d'accord, ça rigole pas, hein. Par contre, les améliorations... Bonne journée à toi. Remarquable. Et on est à 300. Et en termes de quête, entre dans le restaurant fraîchement ouvert. Okay. Fraîchement ouvert et déjà amélioré. Hein. Ok, c'est un peu la tomate. Ouais, niveau 3. Il est meilleur en cueillette maintenant. Soupe à la tomate. Les prix sont indécents. Bon, soupe à la tomate. Bon, ça va, il faut juste une tomate. C'est pas le plat le plus compliqué à faire, hein. Heureusement qu'il est pas compliqué, Donald. Hein. Je serai tout seul de te voir. Si, mon ami. Bon appétit. Heureusement que j'avais, cette quête. Attends, on va vraiment pas réussir à accueillir Elsa parce que l'autre il dort là. Vraiment, je vais devoir faire une vidéo demain matin et je vais l'insulter, Christophe. Hein. Christophe! Mon royaume pour un parchemin, bois tendre, terre. Ok, pissenlit, marguerite blanche, pomme. Sandwich au poisson crudité, récupéré. Dans les maisons, ok. Bois tendre, de la fibre. Canne à sucre. Putain, mais vous me demandez trop de trucs. Il faut arrêter de me demander des trucs, hein. Moi, pas une bonne pierre. Voilà. Vous me faites bégayer tellement. Tellement ça m'agace. Ça me s'agace. Ouais, il y en a beaucoup, hein, de notre coco, hein. Bref, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bon, il s'est pas passé énormément de choses, hein. On a juste découvert une nouvelle zone. Dans l'épisode prochain, on va aller insulter Christophe et on va continuer notre aventure. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite. Au revoir.